Concevoir le véhicule roulant du futur, c'est la mission qui a été confiée à des collégiens et lycéens venus de 13 établissements de la région. Ils se sont réunis aujourd'hui à l'Institut de maintenance aéronautique de Mérignac dans le cadre de la finale académique du Grand Prix. Course en cours, Guillaume Truyet était sur place. Qui a dit que les petites voitures étaient réservées aux enfants ? Au Grand Prix course en cours, pas question de faire joujou. Des collégiens et lycéens venus de Senon, Pau, Mont-de-Marsan ou encore Arsac se sont glissés dans la peau d'ingénieurs en automobile. Ils ont conçu un véhicule au design futuriste en utilisant les mêmes outils et logiciels que des professionnels. Alors lui, il a élaboré le plan, l'élaboration du plan de la voiture. En fait, on pensait comment elle était. Ensuite, à partir de ces plans, on l'a conçu en 3D. Ensuite, ce modèle 3D qu'on avait créé, on l'a envoyé à une IUT qui s'est chargée de la sculpter. Quelqu'un de notre équipe, l'ingénieur de fabrication, s'est chargé de combler les défauts qu'il y avait dans ce bloc de balsa. Puis enfin, on l'a envoyé au carrossier qui s'est chargé de le peindre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour les prototypes. Sur fond de moteurs vrombissants, des stands bigarrés et originaux sont présentés à un jury de professionnels du milieu automobile. Et même si le concours régional représente l'aboutissement de leurs travaux, les élèves participent principalement pour apprendre et découvrir. Le projet dans sa globalité, c'est la réalisation d'une équipe de course automobile. Donc ils réalisent un stand, ils réalisent une voiture, donc ils la dessinent, ils la fabriquent. Ils vont l'équiper, donc ou avant ou arrière, et elle est motorisée par un moteur électrique qui est fourni par l'association Course en Cours France pour que tout le monde court avec une même motorisation. Et pour les aider dans le processus de communication et de conception, les collégiens et lycéens ont notamment reçu le soutien d'étudiants de la Kedge Business School et de l'IUT Génie Mécanique de Bordeaux. J'étais un étudiant qui aidait les élèves sur leur partie qui était communication, gestion de projet, préparer leurs oraux et les aider à faire des démarches au moins pour essayer de trouver des sponsors. Une fois passés devant le jury, les participants n'ont plus qu'à attendre les résultats. L'écurie vainqueur s'alignera au départ de la finale nationale du concours course en cours le 6 juin prochain à Paris.